Bonjour, je suis Martine Felliot, directrice de l'agence de développement touristique du Var. Et Var Tourisme a rejoint le réseau Apidae dès l'année 2016. Nous avons mis en place avec l'ensemble des contributeurs au réseau Apidae dans le département du Var une animation très importante et dynamique dans un objectif commun qui est l'enrichissement de la donnée et bien entendu la diffusion de cette donnée à l'ensemble des professionnels du tourisme. Le Var, c'est le premier département touristique français en volume, en unité, qui bénéficie donc d'une offre riche et très diversifiée en matière de tourisme. Le Var, c'est aussi la première destination nautique en France qui lui permet d'avoir un positionnement fort sur le plan européen. Nous avons donc beaucoup d'informations touristiques à transmettre au réseau Apidae. C'est pour cela que nous travaillons aux côtés des techniciens du réseau Apidae sur l'évolution notamment du Thésaurus pour avoir une meilleure cohérence de la donnée touristique. Le Var, à ce titre, fait donc partie de la filière régionale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur l'animation de la filière plongée nautisme, ce qui nous permet donc d'avoir des informations très efficientes. Le secteur du tourisme est véritablement très impacté cette année par la crise du Covid. C'est un secteur très concurrentiel, donc nous devons tous ensemble, acteurs privés et institutionnels, contribuer à la relance de l'économie touristique. Apidae s'est transformé, s'est réorganisé, donc toute la richesse de ce réseau et cette performance a permis d'apporter des capitaux privés à la SIC Apidae, ce qui est garant de qualité pour les professionnels et pour les institutionnels. Nous souhaitons que Var Tourisme puisse rester à la gouvernance d'Apidae afin de mettre en œuvre et de valoriser les acteurs locaux du tourisme, mais aussi pour contribuer à une forte valeur ajoutée sur l'économie. Je vous remercie et à bientôt.